Allez, bienvenue dans le classement du mois de mai, semaine 3. C'est déjà la troisième semaine, ça va trop vite. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver pour la première fois sur cette vidéo sur la chaîne, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes chansons et tes artistes préférés. Pour voter, bah, t'as un lien en description de cette vidéo. Et si tu veux toutes les infos sur comment marche le classement, etc., bah, je t'invite aussi à lire tout ce qu'il y a en description de cette vidéo parce que j'explique un peu le fonctionnement si t'as des doutes ou si t'as des questions. Pour ceux qui connaissent déjà, eh bien, on va tout de suite voir le classement comme d'habitude. Vous allez voir, il y a des petits changements, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Allez, c'est parti! I'm drowning in your love.
Si t'aimes bien le classement, si t'aimes bien la chaîne, comme d'habitude, sache que tu peux me soutenir via Utip. C'est une plateforme sur laquelle tu peux soutenir un créateur financièrement de deux façons. La première en faisant un don avec de l'argent réel. Et la seconde façon, c'est simple en fait, c'est gratuitement. Tu regardes une petite vidéo, à chaque fois que tu regardes une petite vidéo, bah, ça me reverse 5 centimes. Donc c'est mieux que rien. Et si tu veux faire ça, bah, tu as aussi le lien en description de cette vidéo, tout simplement. Et donc félicitations à Oh My God qui revient en première place après être tombé ces deux dernières semaines. Donc elles sont revenues numéro 1. En seconde position, on a Dollar comme la semaine dernière et A-Pink en troisième position qui ferme la marche, qui avait aussi un peu dégringolé la semaine dernière et qui reviennent. Donc c'est cool parce que j'aime beaucoup, j'adore cette chanson tout simplement. Je lui ai déjà donné mon petit logo dans les semaines précédentes. J'adore cette chanson. Trois petites nouveautés cette semaine, on a Taeyeon avec Happy, Astro avec Knock et GWSN avec Bazooka, donc des chansons que vous avez plutôt bien aimé vu qu'elles sont rentrées dans le classement. Et on voit aussi le retour de Max de TVXQ avec Chocolate. Donc comme quoi vous vous êtes battu pour qu'il revienne et il est revenu. La meilleure progression d'ailleurs, c'est aussi Astro avec Knock. Donc félicitations aux garçons. Ma chanson préférée de la semaine, ce sera Gravity avec Break All The Rules. Alors je précise quand même, c'est pas genre un méga giga coup de cœur, mais j'adore cette chanson quand même. Je trouve qu'elle est sympa, j'adore le refrain. Je trouve pas que le clip il casse 20 pattes à 10 canards, mais je sais pas si c'est possible. Bref, je trouve que j'aime bien ce qui dégage de ce groupe et j'attends de voir ce qui va se passer pour eux dans un futur. Donc c'est genre, on va dire, c'est un peu la chanson qui m'a bien plu cette semaine, cette dernière semaine, où je me suis dit, tiens, j'ai bien envie de la réécouter. Donc c'est Gravity, donc je leur donne mon soutien, entre guillemets, pour cette semaine. Comme d'habitude, des chansons vont quitter la liste de vote et d'autres chansons vont entrer dans la liste de vote. Et voici lesquelles avec leur meilleur classement. Donc on va dire au revoir à Card avec Red Moon qui s'est vraiment bien accroché pendant les 8 semaines. Il n'y a pas une seule semaine où ils n'étaient pas dans le classement. Alors ils ont un peu reculé à chaque fois, chaque semaine, mais ils étaient là pendant 8 semaines quand même, donc c'est mieux que rien. Et donc si nouvelle chanson rejoint la liste de vote en ce moment, je trouve qu'il y en a de plus en plus, va falloir que je me calme là-dessus, que j'en remette plus que 4 ou 5 comme avant, parce que là, ça fait trop quoi, c'est le bordel. Bref, comme d'habitude, vous pouvez me dire quelle chanson vous voudriez voir dans le classement dès la semaine prochaine. Pour ça, vous avez l'espace commentaire, bien évidemment, en dessous de cette vidéo où vous me dites « Bon, voilà, j'aimerais bien que cette chanson arrive dans le classement. » Je précise que ça doit être des chansons récentes parce que mon classement, c'est que des chansons plus ou moins récentes. Il y a quand même toujours des petites exceptions où il y a des chansons un peu plus vieilles que d'autres. Mais c'est pas des chansons vieilles de genre 6 mois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est toujours grand max 2 mois. Donc, il faut que ce soit des chansons récentes qui sont sorties récemment si vous m'en proposez.
Et d'ailleurs, le nouveau lien de vote est déjà disponible, il est en description de cette vidéo lui aussi. Donc n'hésitez pas à aller voter une fois que vous avez fini de regarder cette vidéo. Moi, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Donc vous avez YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. Mais si tu le fais, bah merci d'avance. Bienvenue dans la Yousan Unit. Ça me fait plaisir que tu sois parmi nous. Et je pense que c'est déjà tout pour cette petite vidéo K-Charts, classement K-Pop. Donc on se dit à la semaine prochaine pour un tout nouveau classement avec de nouveaux changements. Bye 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 bye. Annyeong.